Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière suivie, donc pour continuer la récolte sur la carrière suivie. Voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc bah écoutez, on se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Les amis, bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui, hein, comme je vous le disais, pour la suite de la récolte de la carrière suivie. Donc là, bah écoutez, on a ces deux parcelles de colza à faire. Donc vous voyez, j'ai encore l'avoine qui est stockée dans la benne rouge, pardon. Donc bah écoutez, on est parti, on va moissonner ces deux parcelles. Alors attends, qu'est-ce que... Pourquoi je peux pas... Ah voilà. Ok, parce que j'étais coincé dans un trou. Eh ben, on est parti. Voilà, on va faire ces deux parcelles de colza. Voilà, je suis vraiment content de faire la suite de cette récolte, hein, puisque là, c'est vrai que c'est les premières récoltes de la carrière suivie, donc c'est super cool. Là, au moins, on voit vraiment tout ce qui se passe sur cette partie, et ça c'est vraiment cool et moi je suis super content de pouvoir vous présenter ça. Alors ben, là on va commencer par faire les fourrières. Et puis ben, je tenais encore à vous remercier. Hein. Comme à chaque fois, voilà. Vous répondez toujours présent et ça fait super plaisir. Et je remercie aussi tous les derniers abonnés qui suivent ma chaîne. Là, ça fait, voilà, je tenais à vous remercier, c'est super gentil. Et ça fait super plaisir. Voilà. Alors, donc là, on va faire cette parcelle et on va également faire celle d'à côté. Histoire de ne pas faire trop non plus de vidéos sur cette récolte, hein, vu que là, c'est les premières aussi. Donc, voilà, donc ça fera la deuxième vidéo sur ces récoltes. Donc, voilà, c'est... Je veux pas non plus vous montrer que ça, donc deux vidéos, voilà, ce sera largement suffisant. Voilà, après c'est juste histoire que ça dure pas très très longtemps non plus, puisque voilà, je veux pas faire des vidéos de 2 heures, ça sert à rien. Donc voilà, on va juste faire ces deux parcelles aujourd'hui. Et puis peut-être que au final on ira vider, puisque je pense qu'il y aura pas assez de place dans la benne pour stocker les deux parcelles. Donc voilà, on verra si on a cette place ou pas, mais je pense que non. Voilà. Clairement, je pense qu'on n'aura pas assez de place. Donc on ira vider ça aussi. Alors bah écoutez les amis, ce que je vais faire, et bah je vais continuer, je vais avancer la vidéo, on se retrouve juste après.
Alors les amis, bah ça y est, on arrive à la fin de cette parcelle de colza. Donc je verrai pour la prochaine fois, où je le ferai peut-être hors vidéo, j'achèterai une nouvelle barre de coups, parce que celle-ci en fait ça doit être... il faut trop de puissance je pense. Et là la moissonneuse elle est trop petite. Donc je pense qu'on partira peut-être sur une 6m60 de la même marque. Puisque là tu vois là les... elle a du mal à avancer quand même. Donc voilà, on partira. Enfin, je le ferai peut-être hors vidéo en fait. Voilà, on partira plus sur une 6m60. Parce que celle-ci, elle doit être un peu. Enfin, il faut trop de puissance, je pense. Et donc là, la moissonneuse, elle est juste un peu petite pour cette grande barre de coupe. Donc voilà, je la changerai pour l'or. Lorsqu'on fera les prochaines récoltes, comme ça, ça fonctionnera comme ça doit fonctionner en fait, voilà, tout simplement. Parce que là, sinon je mets beaucoup de temps à faire une parcelle. Hop, voilà. Allez, on va aller vider cette trémie. Et après, on va attaquer la parcelle qui est juste à côté. Comme ça, la prochaine fois, bah, je verrai pour essayer de presser et préparer les sols pour la prochaine culture, en fait. Voilà, j'essaierai de faire davantage de choses, histoire de... Vous voyez aussi un petit peu plus que de la récolte, hein, évidemment. Alors, donc là, je sais pas si tout va rentrer dedans. Donc on va voir un peu, puisque là on était à 70% de la trémie de la moissonneuse, mais est-ce que la benne on peut... Est-ce que dans la benne tout va rentrer, ça c'est... C'est pas la même histoire comme on dit. Alors... Donc là il nous reste 10%, bon ça a l'air de rentrer. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en fait je vais juste mettre l'ouvrier le temps d'aller vider, et puis... comme ça on aura les deux bennes s'il faut, bah en fait voilà, on aura les deux bennes pour compléter et remplir
si on n'a pas assez d'une en fait. Alors, bah attends, je vais commencer dans l'autre sens. Voilà, histoire de changer un petit peu. Voilà. Allez. On est parti. Voilà, c'est parti les amis. Alors du coup, bah, ce que je vais faire, je vais avancer la vidéo et on se retrouve tout de suite.
Alors les amis, bah écoutez, là on va aller terminer ce qui reste. Il reste une petite allée de colza, donc on va terminer ça. Et puis je vais vider la trémie et on arrivera à la fin de cette petite vidéo. Voilà, qui sera un peu plus longue que prévu, mais bon après, voilà, on verra comment je vais faire pour le montage, mais je pense qu'elle sera plus longue que les autres, mais bon après voilà, c'est pas grave, hein. Donc là, la prochaine fois, bah écoutez, on se retrouvera pour la préparation des sols et on verra si on peut presser la paille. Hop. Donc là, on va replier la barre de coupe et puis on va aller vider la trémie de la moissonneuse. Et là, on arrivera à la fin de notre petite vidéo. Du coup, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Discord, voilà. Et également sur ma petite chaîne Twitch, voilà, tous les soirs de 20h30. Voilà, donc là, on va vider cette trémie. Donc, ouais, bon, il reste 25%. Et donc, voilà, la prochaine fois, je pense que j'aurai changé la petite barre de coupe qui est un peu grande puisque la moissonneuse n'arrive pas à faire son travail correctement, donc je prendrai une plus petite puisque le moteur il doit être un peu pas assez puissant en fait pour cette barre de coupe. Voilà, donc ça y est, on a vidé cette trémie les amis, et bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Yoplait, ciao tout le monde.